Eh bien, bonjour à tous. L'univers du jeu vidéo possède une diversité de genres et mérite d'être exploré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Aragami, la version Shadow Edition, sortie en multi-support, un jeu d'infiltration développé par Lilsworth, un studio espagnol. L'entreprise a été fondée par d'anciens étudiants de master en création de jeux de l'université Pompeu Fabra à Barcelone. Après leur succès de leur prototype Path of Shadow, devenant le premier projet commercial de la firme qu'on connaîtra sous le nom d'Aragami, sorti le 4 octobre 2016. La narration nous parle d'un esprit vengeur qui a été invoqué par Yamiko dans sa forme spirituelle, une jeune femme emprisonnée par un sort utilisé par les forces d'armée de Caillou. Il aura pour but de récolter les différents talismans et les fragments d'âme pour briser le sort que subit la prisonnière. Au fil des 13 niveaux, l'histoire nous fera voir divers flashbacks tels le passé des personnages par rapport à la guerre entre les Caillou, adeptes de lumière, et les Nisoku, adeptes de l'ombre. Cette édition comporte aussi la préquelle de l'histoire Nightfall, apportant un plus dans la narration avec les 4 chapitres proposés où nous incarnons Io et Shinobu, deux shinobi de la guilde d'Akudaga qui auront pour mission de ramener à la vie une personne importante. Avec une direction artistique en cel shading, l'aventure nous fait voyager dans l'époque féodale du Japon avec des thèmes d'infiltration et d'émotion composés par le groupe Two Feather, par Elvira Björkman et Niklas Edgeberg. Place au voyage! Aragami pourra maîtriser des techniques d'ombre pour entendre que l'on soit dans l'obscurité et gérer sa jauge de pouvoir. Nos principaux ennemis sont la lumière et les forces de Caillou,
les techniques seront acquises en récoltant les différents parchemins nous permettant d'engranger des points de compétences à répartir dans notre arbre à talents. Notre assassin pourra maîtriser au total 6 techniques de sort à utiliser selon les situations qui nous sont proposées à long terme. Les deux combats de boss se révéleront intéressants où il faudra être discret et rapide pour pouvoir les vaincre. Vous pourrez atteindre la fin du jeu quel que soit le choix de niveau de difficulté. Les défis facultatifs dans chaque chapitre seront proposés dans le but de récolter 3 médailles spécifiques selon votre façon de jouer. Par exemple, si vous dégommez tous les ennemis ainsi que son contraire, ou encore pour atteindre la note de S qui est le plus haut rang qu'on peut avoir. Un mode coop en ligne est proposé pour les deux aventures de l'édition. Personnellement, j'ai été pris par l'aventure avec une conclusion qui m'a fait verser une larme. Ayant parcouru le titre en difficulté normale et difficile, la différence réside que les ennemis ont leur champ de vision plus agrandi et m'a poussé à optimiser mon infiltration ainsi les variétés techniques acquises. Des petits clins d'œil à des mangas ou à des œuvres vidéoludiques ont été fort appréciables. La fermeture du studio le 7 mars 2023 est regrettable, car les développeurs ont su apporter un gameplay authentique et enrichissant. Aragami reste un bon jeu d'infiltration à parcourir. Merci pour ce voyage envoûtant, je vous dis à la prochaine et à tout bientôt !